le train s'arrête et on n'a pas de mouvement brutal. Et c'est un élément aussi important en termes de comportement du train pour le confort du passager et aussi sa propre sécurité. Puisque on pourrait créer un mouvement de panique en cas d'arrêt brutal, violent, et donc d'avoir des gens qui se mettent à bouger dans la rame alors qu'on est vraiment sur une séquence qui est assez sensible. Donc le fait de l'avoir un comportement souple permet de garder la confiance du passager et d'éviter des mouvements de foule. Et là, nous sommes arrêtés. Nous étions à 200 km/h et on vient de s'arrêter en direct avec vous.